Théat qui revient dans les pieds de Doku. Dribble un peu large. Lukaku, est-ce qu'il n'était pas en position de hors-jeu? On verra ça. Trossard, Chilwell. La pression mise par Tiedemans. Oui, mais surtout aussi un Doku allé au départ de l'action. Qui lui a semé la zizanie, Raoulou en plus dans son corps. Vous voyez, quand on a cette pression, cette défense. Oui, avec la possibilité, pied gauche, Tiedemans, ça rentre. 0-1 avec Youri Tiedemans qui peut laisser sa joie exploser. Ça va lui faire tellement de bien au garçon. Contre-pied parfait, j'ai envie de dire, par rapport au gardien, vous l'avez vu. Meynou de Manchester United, vous avez vu toute la classe avec Tony maintenant qui va dans le dos, Vertonghen, c'est pénalty. Il n'a pas hésité une seule seconde, l'arbitre autrichien. Super Iad n'est pas d'accord, il avait été pris dans son dos par la vitesse de Tony. C'est Tony face à lui. On vient de dépasser le quart d'heure de jeu. Tony Oussel, ce sera Tony. Et ça fait un but partout. Grand, grand talent. Alors Théat qui était dans le duel, mais dans son dos, il y a Bowen, un petit peu d'espace avec Bellingham. Bellingham en retrait. Oui, c'est l'idée. Ce ballon qui arrive sur le point du but. Oh là là, on a eu très très chaud là. Foden. C'est bien donné ça, même si c'est un peu loin, ça rentre quand même avec Bowen qui permet à l'Angleterre de passer devant. 2-1 maintenant, et ce but encaissé sur phase arrêtée. C'est le plus dur à défendre. Je ne sais pas si c'est. Ah, il y a un jeu, non ? Ouais, je pense. Ah, oui, oui, oui. Voilà, c'est très clair, hein. il n'y a pas un bon dialogue de discussion. Côté opposé, Bowen qui va s'appuyer sur Tony. Le ballon qui reste là et il faut sortir ça entre Sarri et Lavoie. Donc avec Tiedemans, il n'a qu'une seule solution, c'est Lukaku. Ce ballon est pas mal. Et la pression de Lukaku qui le récupère avec Dunk face à lui, l'extérieur du pied, magnifique. Oh quel but. But incroyable de nos Diables Rouges avec le duo Tiedemans-Lukaku. C'est absolument fantastique. Bellingham et l'arrêt de Sels parce que le ballon a été légèrement dévié au moment de la frappe. Maintenant Foden, c'est magnifique. Il se retourne avec la frappe de Tony. Et Sels qui a la main bien ferme sur ce coup-ci. Conversion anglaise en attendant avec Foden. Plein axe. Phil Foden toujours. Onana. Le ballon quand même dans les pieds de Bellingham. Tony. Oh l'arrêt. Incroyable. De Sels. Comment il s'est jeté là. Ouais, qui est devant, c'est la paroi à Bowen. Très vif. Le décalage, Foden, la conclusion, non, toujours pas, côté anglais. Intervention d'Onana. J'ai vu comment on défend. Ah, c'est parti. Allez, c'est parti, effectivement, avec Doku, Openda, Luke Bakio. France fraîche.
Allez, 3 contre 2, 3 contre 4 maintenant. Luke Bakio, qui se jette là. Pickford, allez, dernier ballon. Avec Madison, Meunier qui doit protéger cela. Comment c'est pas sorti ça, Madison en retrait. Le but à la dernière seconde, égalisation de Bellingham. Quelle incroyable fin de match avec l'Angleterre qui égalise vraiment au bout du suspense.